Yo, dit Clémentine, on est de retour pour une nouvelle aventure en sapeur-pompier. On part aujourd'hui sur une intervention assez ouf qui est tout simplement une personne qui s'est foulée la cheville. Je vous laisse fermer la porte, les gars. Parce que voilà, super, vous êtes des géniaux. Et du coup, on est avec deux personnes, le caporal Patulacci, que nous avons vu dans la dernière vidéo, qui n'a pas pu vous dire au revoir. Ça l'a beaucoup vexé. Et la seconde classe Cooper, qui est une personne particulièrement nulle. Faut quand même le souligner. Oui. On part sur quoi là, Patou, du coup? Une personne s'est enfouie la cheville. Personne s'est enfoulé la cheville. Donc c'est absolument pas de notre domaine. Normalement, c'est les ambulanciers. Mais comme il n'y a pas d'ambulancier, c'est Oui, ça? on s'ennuie tellement, On hein. s'ennuie tellement qu'on a décidé d'accepter l'intervention. Et autrement dit, de partir sur une personne qui s'est foulée la cheville. On s'ennuie pas, je suis là. Ce qui est Ah vraiment ouais, d'accord, vous partez sans moi, mais d'accord. vraiment une urgence vitale. Il en a mis du temps pour s'en rendre compte quand même. Hein. Ça démontre bien qu'il n'est pas vraiment avec nous. On est avec Kiro, mais Kiro, il est dans sa tête, perdu. Pas du tout. Il est Vous me pas chaud. recevez? Non. Et nous, vous partez sans moi et de deux, je prends votre victime à la respawn. Cordialement. Ah bah, respawn, puisque c'est un flash de cheville. Donc, comment tu veux mourir quand t'as la cheville foulée? Eh bah, tu t'appelles Charlie. Ah. Ah, Vas-y, problématique. prochain véhicule en tête qu'on va monter va péter. Elle est où, votre madame? Pote madame. Dans ton cul. Ah, c'est bien pris, VSRL, elle prendait pas. Bah, la personne a VSRL sur position, c'est pas un accident. M'en fous, vous êtes capable de tout seul. Prends un VPS, On hein. va pas monter à 4 dans un VSAV, trop nul. Si on pouvait, hein. Chance élu, là, vous savez pas ce que je fais. On pouvait monter à 4 Mais en va fait. jouer au baby-foot, en attendant. Non, Ah, il est où, baby-foot? mais prends un VPS. J'avais Mais envie de direct. shooter le panneau 50 pour qu'on puisse rouler un peu plus vite. Mais apparemment, ça. C'est un Pas échec. très légal. Pas très légal pour aller plus vite. Allez, go. On Au pire, tourne, je ferai on fait des petits virages bien comme Je ça, t'ajoute, bien désolé, fort. c'est du vol avec ton VSAV. T'as pas Mais je me sens mal. l'admin console, Charlie? Ouais, bien sûr, ouais. Et puis quoi encore? Ah, Ah! ah, ah. Sam Mathis. Eh, mais vous savez qu'on peut aussi appeler un rapport? Eh ben voilà, vous serez monté à dos, on aurait pu partir à dos en VSAV. Eh ben voilà, eh ben voilà. À côté, T'as c'est pas un fini habit. de te plaindre, toi? Même grade, ta gueule! Là. Mais c'est toi qui vas fermer ta gueule avant que je t'enfonce un truc dans ta bouche. Les gars. Ah, le jour où tu pourras, franchement. Si. Il est où le Bah, c'est masqué? surtout que le jour où je vais le faire, c'est que tu m'auras vraiment saoulé, Mika. Respect, il est passé par là-bas. hein. Ouais, il est parti. Et Il a il est disparu. toujours. Tu pètes pas les couilles, tu prends un SAV tout seul et tu vas sur le monsieur. Il est mort où? On est Ça au trompe. même grade. Encore? Un policier? Alors, du colonel du caporal chef. C'est pour pied de police. Oula. Ouais, c'est reçu, l'unité d'ici arrivera Ah, transmettez plus. d'ici 2 minutes, monsieur. Bonjour, vous. Il arrivera Vous, un VSAV de disponible, un cadavre de dépanneur qui est mort au commissariat Un cadavre de dépanneur qui est mort au Assigné commissariat à central. VSAV à prendre des temps. Ça, c'est du message On radio vous de remercie, qualité, on ça. vous attendra sur place. Hein. On dira pas qu'il est la DS. Ah non, on dira pas. Parce que Un du coup, ça, cadavre de c'est bien. dépanneur mort. Un cadavre de dépanneur. Faudra m'expliquer déjà en quoi. Alors, pour ceux qui ont passé le bac de français cette année, petite question. Ne faites pas le bac. Ne faites pas le bac. C'est une Moi, je erreur. l'ai pas eu, hein, t'as vu? Ça passe bien. Ça passe bien, hein? Ça arrive, hein? On peut être performant et utile sans avoir le bac. Alors, Utile, je sais performant, pas. utile, je sais pas. Bon, j'avoue, c'est non. Ça foirait ta vie si t'as Utile, pas je le sais bac. pas si je suis utile, mais après. Tu vois, Oui, j'ai eu un bac S. tu ressembleras à Charlie Cooper. Non, le bac ES, Tout le c'est monde dans s'en mon fout. cœur. Le bac ES, c'est. Énorme essai. STU, RPZ! Pardon. Ouais, je disais, j'ai eu un bac S. mais toi, t'as eu un bac S, moi j'ai eu un bac ES. Mais il Donc. y a combien de temps aussi? Il y a très longtemps. Il y a en 1998. Pané. Tout, tu le sais, J'étais toi. pas né. Ah non, mais excusez-moi, je savais pas, moi je connais pas ma date, on m'a dit que j'étais né un samedi, après.
Un samedi, ah oui. Ouais, un samedi et il faisait froid. Du coup, tous les samedis, il prend un an. Du coup, voilà, c'est ça. Maintenant, j'ai 178 ans. Alors, où est la victime, là? Au marché. Au marché, très bien. Est-ce qu'elle marche? Ah, elle est là. C'est oh, elle putain, la blague de merde, c'est elle. Okay. Oh, la blague de merde. On va la faire passer de l'autre côté, hein, parce que moi, je vais pas me garer en face. Sur le place, vous faites le bilan. Hop. Allez, c'est parti, messieurs. Nous y voilà, nous y voilou. Ah. Arrête pas avec mon gilet. Nana. J'aimerais bien pouvoir mettre un gilet aussi. Alors, gilet, ici. Ouais, t'as 6 km du WC pour être votre gilet, là, quand même. Ou pas ton gilet. Allez, je vous laisse y aller, les gars. C'est à vous d'intervenir. Bah, tu sécurises la zone, y'a rien de sécurisé. Bah, c'est sur une classe déjà d'y aller. Tu veux que je fasse quoi? On passe, on prend le passage. Alors déjà, je regarde à gauche, à droite, à droite, il y a un véhicule. Allez, le véhicule s'arrête, pauvre oui. Petite victime. On dit pas une victime, on dit une personne qui a souffert. Bonjour, monsieur. Bonsoir, plutôt. Vous avez mal où, monsieur? Hop. Ah ouais, d'accord, ok. Clac. Attendez. J'ai fait un boulot du temps du terre. Hop. 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 Attendez, je vais juste tendre votre jambe et dire si vous avez mal. Aïe, ouais, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Doucement, voilà, attendez. Danger, danger. Ah, fleur de fille, est-ce que tu penses que ça risque d'être cassé? Ah, pardon. Monsieur, vous voulez aller à l'hôpital pour On va aller emmener à l'hôpital. Hein. Entre 1 et 10, monsieur, votre douleur, vous estimez à combien? 1, c'est supportable, 10, c'est insupportable. Hop. Ouais, bah on va l'emmener. Là, ouais, je suis allé voir le docteur. Et puis, l'héros qui est conduit, t'es où? Ouais, je suis là, hein. Je t'écoute. Tu prépares le brancard pour la victime. Ok, pas avec matelas coquille. Matelas coquille? C'est si grave que ça? 11 sur 10, t'as du là. 11 sur 10, ok. Ouais. Très bien, très bien. Pop, 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 puis de mettre la coquille. Hop, sap, clac, ok. Ça, c'est bon. Dakodak. Hop. Voilà le brancard et le mettre la coquille, collègue. Hein. Ah, ouais, d'accord. Les prises de risque de port ne va coller. Bon, venez, monsieur, je vais vous passer sur mon cœur. Soutenez-moi. Aïe. Allez-y. Relâchez votre jambe. Voilà. Vas-y, montez dessus. J'ai bon. Voilà. Nickel. Ok, allez hop. C'est parti, tu. Bon, on est bon. Un bilan dans le VSAV. Hop. Ah, monsieur. Ah, monsieur. Ouais, c'est bon. Allez, hop, je vous embarque. Y'en a un qui monte à l'arrière, monsieur. Putain, elle a toujours pas fini son bilan. Là, j'ai, place, donc, j'ai même pas commencé alors. Ah, d'accord, donc, je te laisse faire ton bilan. Je vais faire dans le véhicule. Tu peux me déverrouiller le véhicule, s'il te plaît? Ouais, je te le déverrouille. Voilà. Attends. C'est quoi, j'ai même te filé les clés. Alors. Ouais, autrement, je vais mettre juste là. Charlie Cooper. Hop. Hop. Voilà, t'as les clés, si t'as besoin.
Très bien, monsieur. Vous appelez comment? Taolomba, monsieur Taolomba. Et A-O, c'est ça? Et A-O-L-O-M-B-A. Okay. VSAV 01 de VSAV 02 parler. Ouais, transmet. Ouais, t'en es où pour ton intervention? Arrivé sur intervention. Ok, super. Sans ouais, Bien. Ah, oh, j'ai reçu 1 500 €. Ah, oh, je suis heureux. Les mecs ici, c'est pas possible, ils font que du farming. Ah non. Ça c'est la police. Ah, non. Non. Moi c'est la version civile du véhicule. Ah ouais? Avec les gyros. Et non, c'est pas un flic dedans, il y a que les gyros. Ah ouais, ok. J'étais tranquillement au marché. Ah, je vous demande votre poids, monsieur. Pardon? Il se fait pas comprendre le Cooper. Le poids. Vous faites quel poids? La dernière fois que vous êtes pesé, vous faisiez combien? Un bon 75. Très bien. Pour quelle taille? 1,90. Ok. Oh mon gilet, on voit le poids quand même. Alors, intérieur. J'ai des antécédents médicaux? Je m'étais juste cassé le petit doigt une fois, mais c'est tout. Ah d'accord. Et un traitement en cours? Négatif. Peut-être des allergies à des médicaments? Négatif. Peut-être de l'asthme, du diabète? Négatif. Vous avez consommé de l'alcool, du tabac ou de produits stupéfiants? Du tabac, oui. Vous avez une maladie contagieuse qu'on doit prendre en compte? Négatif. Bon, et ça c'est du bilan, on ne peut plus classique. Hein. Bon, en l'occurrence, c'est pas une urgence vitale, donc c'est pas une victime dont l'intervention nécessite beaucoup, beaucoup de choses à faire. Du coup, c'est vrai que l'intervention est un peu ennuyante, enfin un peu pauvre, parce qu'effectivement, il y a peu de rebondissements, on n'a pas vraiment vocation à être ici. Normalement, c'est plus les ambulanciers, ou généralement, quand une personne se fout de la cheville, soit elle demande un taxi ou à un ambulancier de la transporter jusqu'à l'hôpital ou d'aller voir son médecin traitant, quoi. En l'occurrence, nous, bon, dans ce genre de situation, bon, ça m'étonnerait que les pompiers interviennent, quoi. Mais bon. Caporal. Ouais. Ouais, je t'écoute. Ouais, alors. On a une VSM de 18 ans qui se plaint de douleur cheville gauche de 10 sur 10. Ok. Que juste un transport pour voir si à l'hôpital si il n'est pas blessé, type fracture ou quelque chose du genre. Quoi. Ok. Il a entendu un crack, le monsieur, ou pas? Ah, c'est vrai, j'ai pas demandé ça. Monsieur? Monsieur? Vous m'entendez, monsieur? Monsieur? Oui. Ouais. Oui. Vous avez entendu un crack ou pas? Je me souviens plus. Vous vous en souvenez plus? Vous n'avez pas entendu de crack? Enfin, vous êtes pas sûr d'avoir entendu un crack, quoi. Non, je suis pas sûr. Mais vous pourriez pas me dire non. C'est. Bon, j'en sais. Ok. D'accord, ok. Bon, du coup, ok, bon, on y va, on l'emmène à. Ouais. Ouais, on l'emmène à la Pessagne, et puis. Ok, très bien. Allez, on est parti. Hop, je te supprime juste les cônes. Ouais, à toute unité de VSAV 02, VSAV 02, pas intervention retour 16, victime déclarée décédée. C'est bien reçu pour VSAV 01. On dit détache et Delta, pas décédé. Ouais, et bon, que veux-tu, il est pas assez professionnel pour nous. Allez, go. Hop. Elle finit son inter, j'ai pas entendu. Ouais, Delta, ouais, je suis Delta. Ouais.
Pas mal que j'ai pas entendu, il y a une grosse boulette à la radio. Hop! Allez, monsieur, on est parti. Bon, je te laisse faire Mettre le bilan. professionnel de la marche arrière. Bip, On va lui mettre un bip torpille dans le vestibule. Bip, bip, bip. bip. Non, il parle là-bas. Très bien, monsieur, vous pouvez vous mettre sur le brancard si tu veux à ta droite. À 3, 1, 2, Servi 3. par un brancard parce qu'il est déjà sur un brancard. Oui, c'est vrai. C'est une civière même. Voilà, monsieur, j'ai transféré votre bilan Vous, j'ai médical trouvé que ça allait au péter. Ouais, moi Un j'ai bon rétablissement, eu un monsieur. petit peu peur, je t'avouerai. Merci beaucoup. Fin d'intervention pour VSAB 0 unité. VSAB 0 unité, faisons retour CSP Cooper. Commande reçue, parlez. Kiro est toujours avec nous ou pas? Et donc non. Mais il veut peut-être la gueule. Mais non. Si Moi, ça c'est le cas, tant m'étonnerait pis pas. pour lui. Bon, bah, du coup, on Mais va le comme on est chercher. partis tous les trois, ça m'étonnerait pas qu'il fasse Je vais la juste gueule. me soigner vite fait, j'arrive. Ok, on va le chercher du coup. Pareil au CSP donc. Elle va te soigner, hein? Non, je peux pas. Ah bon? Pourquoi? T'as pas suffisamment de Pas de sous. Elle se fait pauvre. thunes? Oh, dis-moi, tiens, je t'aurais donné de l'argent. Ouais, Ouais, on c'est pas aurait pu te grave. filer, mais bon. C'est bon, je suis pas à 2 centimes 200 près. Bah oui, bah moi si je m'en sers, on m'en sert le permis donc Moi Tiens, on j'ai va pas. s'arrêter à la caserne, à la Ouais, station essence, j'ai besoin de reprendre de caserne, l'essence. ouais. Elle est belle la caserne. C'est grosse Ouais, caserne ça. elle est incroyable. Allez hop. C'est bien, c'est rapide ces pompistes, nouvelle génération. Ouais, Je trouve ça c'est dommage trop que ça bien. aille aussi vite, presque. Ouais? Ouais. J'aurais presque préféré, tu vois, que tu passes un peu plus de temps dans le RP pour mettre de l'essence. On va voir tous les fichiers sources du jeu et puis on va se démerder. Alors bonjour, je vous sors Arma 4, un ouais, nouveau mode. C'est ça. Alors ce mode là, il est que exclusif pompier, il n'y a plus Il de véhicules de n'y a plus merde d'autres de. véhicules, notamment plus de police, parce que les policiers, c'est des boulets. Et ils iront en chameau. Plus de Voilà, c'est civils. ça. D'ailleurs, vous avez Plus vu de les civils, ils sont actualités? trop de morts. Vous avez vu les actualités dernièrement? Il y a 12 chameaux qui sont faits disqualifier d'une compétition de beauté. Ouais, Ah bon? Ouais, oui, parce j'ai vu. que je sais pas, ils ont consommé du botox ou un Et truc comme juste en dessous, il y avait que une émeute a eu lieu dans un Intermarché ça. avec Ouais, pour être pour la Nutella, promotion Nutella. ouais. Ouais. Mais enfin, je trouve que la meilleure actualité de la semaine, pour qu'on soit clair entre vous et moi, c'est celle où le chasseur s'est fait tuer par son chien. Il s'est fait tuer d'un coup de fusil par son chien. Coup de fusil par Non. son chien. Bien sûr que si. Et ça, c'est mythique, ça. T'imagines Merde. comment tu viens annoncer à la famille la mort du mec? Bon, écoutez, je suis désolé, mais on a retrouvé votre mari décédé. Alors, il s'est fait tuer par son chien. Hein, c'est un meurtre prémédité, le chien n'en pouvait plus, hein. Ah, le chien il va se faire inculper, ça c'est sûr. Il en avait marre tout le matin Hein. et partout à Morville. C'est ça. Apparemment, je sais pas, le chien il a fait une manip avec ses dents et ça a fait déraper la gâchette, je sais pas quoi. Ouais, il a croqué partout, il a appuyé sur la gâchette. Ouais, et le mec il était en face au mauvais moment, et voilà. Ça, c'est une mort Attends, conne, ça. quelle idée de laisser une arme à un chien quand même? Quelle idée, c'est une arme par terre ou accessible au chien, quoi. Enfin, je sais pas, juste. Stop! Je le mets dans une housse, il tournerait comme ça, quoi. Bon, enfin, bon. Donc Est-ce que là, ça c'est pas les donc là, t'as ouais. tous les mecs qui sont pro nature machin qui te font ouais c'est bien un chasseur en moins. C'est les mecs sans pitié tu vois. Ouais je m'en fous c'est un chasseur il tuait des animaux. Tu sais que là, ce que t'es en train de dire, en fait, c'est typique d'une conversation d'avoir un retour de SAV. Hein. Ah On parle de tout et et de la merde. Hein. mais ça on dit de la bonne merde mais bon. Ah putain, c'est ce qui est bon. Ah merde, putain, chien, quoi, carrément. Ouais,
C'est chaud, hein. Et je crois que la meilleure position du VSAV, c'est au centre. Quand vous avez les deux qui vous parlent en stéréo, waouh! Waouh! C'est ouf! C'est incroyable! J'adore le gameplay, écouter des mecs parler de merde, waouh! Waouh! Acheter Arman! Le pire, ça serait fort si le mec il se faisait tuer par une souris. Sans fusil. Ouais! Comme les mecs qui s'encastrent dans une barrière, tu vois, c'est un truc de ouf! T'es bloqué! Ouais, c'est bloqué! Non, mais ça fait deux fois que je fais le truc! Au revoir! Au revoir! Bon, bah, bonne journée! Pour civil! Ah, pour. Police, ah, ouais, non, mais. Ouais. Eh, pousse! Ça fait deux fois que je te fais! Mais tu sais, ça sert à rien! Si! Tu vas nous faire quoi encore? Je t'assure, tu peux pas le débloquer comme ça! Avant que l'appeler dépanneur. Bah voilà, ah bah voilà, ça me fait plaisir. Bon bah c'est bon, hein. J'appelle les dépanneurs. Dépanneur de colis. Non. Il y a des dépanneurs encore en service ou pas? Parce que même pas sûr. Dépanneur de colis. Transmettez colis. Ouais, on aurait besoin d'une de vos unités au niveau de. De, juste en dessous du concessionnaire BAC, vous avez des petits virages là, je sais pas si vous les voyez, du commissariat de la BAC, vous avez des petits virages, je vais mettre un point. On a une unité qui est coincée à ce niveau là, sur une barrière de sécurité, est-ce que vous pouvez envoyer quelqu'un sur place? C'est bien reçu, je vais envoyer une unité monsieur, mais par contre va falloir un peu patienter. Vous avez un temps d'attente estimé? Une DI est en train de raccompagner une DPS à son véhicule et cette dès qu'il aura récupéré son véhicule, ouais. Ce sera équipé et il dirigera vers vous, donc estimé entre 5 et 10 minutes. Oh putain, 5 et 10 minutes. on est content de m'avoir en conducteur. Ah hein. on est content. 5 et 10 minutes d'attente. Eh, hey, tu l'annonces à Kiro, tu t'es planté? Ouais, je l'annonce à Kiro, ouais. Ouais, mais ça fait 0-2, mais ça fait 0-1. Quoi transmet? Suite à un problème plus ou moins technique, nous sommes indisponibles pour le moment. Par contre, si tu veux envoyer un VPS sur place, je dis pas non. Ouais, le DP pour pompier, c'est parti du problème technique? Accessoirement, si tu veux envoyer un VPS, franchement, bon, il y a le VPS qui arrive. Voilà, oh là là, qu'est-ce que c'est drôle. En fait, si tu veux plus d'informations, se trouvera que le baron a tapé la barre de sécurité et le VSAV est monté dessus. Ouais, je ramène Dragon, on va nettoyer le véhicule. Ramène Dragon, t'as pas le droit de ramener Dragon. Boulet, va. Boulet, va. Vous voulez, regardez. Je sais pas moi, au moins c'est un beau véhicule, tu peux le voir d'en dessous, tu peux faire. C'est pour de la mécanique, c'est sympa. Hein. Ah, y'a pas de la réparation. Profite pour changer 2-3 trucs là. Ouais, je change la courroie de distribution, je pense, non? Ouais, par le dessous. Il est pas un peu con lui. Bah oui. Non, mais il est fort VK, t'inquiète pas. C'est de l'humour! C'est de l'humour! Oh là là! Oh, y'a pas un cam. Bonjour. Bonjour messieurs. Enfin monsieur du coup. Oh, c'est une période de révision des VSAV. On vérifie qu'ils fonctionnent bien, vous savez, c'est. Pour vérifier la 4x4 attitude du véhicule. Ah tout à fait, ouais. Visiblement ça a pas l'air d'être. C'est un exercice pour nos autres pompiers pour que ça prenne à intervenir. Ok, réquisition du véhicule, on va mettre le rancard sur à l'arrière. Allez, c'est bon, merci monsieur, comme ça on pourra passer partout. Réquisition du véhicule. Et puis on fera pas pont avec la bouche. J'ai juste évité de rester au milieu pour discuter. Quel type d'aide vous proposez vous? Essayez peut-être de pousser le véhicule. En risquant de perdre votre véhicule? Bah, il est vide, c'est bon. Non, mais monsieur, vous inquiétez pas, hein. On a un VPS qui arrive, donc des pompiers, puis de la DIR qui se déplace, donc. Bon, ça va, vous allez être tranquille. Mais c'est juste que je suis professionnel dans ce type d'intervention. Ah bon? Ça vous est déjà arrivé?
pas de bloquer, mais plutôt d'aider les gens bloqués. Faites pas confiance au civil, on a vu, il va planter le SAV. C'est pour ça que j'ai une grande... Ouais, non mais monsieur, c'est gentil, mais... On va attendre, voilà, les dépanneurs qui... Ah bah non, c'est la sécurité. Bon bah non, du coup. La sécurité était pour vous, je pense. Ok, bon bah écoutez, par contre, tu me dois 5000 euros. Je pense que je suis un peu sur la route. Mais pourquoi 5000 euros, mec? Je t'ai jamais demandé un... Je t'ai jamais demandé d'acheter un repair kit, hein. Ça sert à rien, un repair kit, le VSAV il est pas cassé. Bonjour. Bonjour. Ouais, mais c'est pour l'essence, c'est pour le déplacement. N'importe quoi, je te fais raison. Il était juste planté en venant. Non, pas vraiment, c'est plus... Voilà, ouais, c'est plus... Vous avez fait ça? Ah ça, bah en fait on discutait d'un chien qui avait tué son maître. Et ça met des triflash en temps VSAV, mais dis donc. C'est bon. T'as demandé de commenter? Ouais, affirmatif. Pourquoi y'a un truc qui vient avec les viraux? Les gars. On a fait une demande de GPS ici, hein, tu peux rentrer avec tes armes. Ouais, pas de soucis, à plus. Laisse-moi remonter, ils sont trop nuls. Vas-y, monte. J'avoue, moi aussi je monte, attends. Non, toi t'es un PD. Ah, oh, violence. Oh putain, Kiro, tu vas pomper la caserne. Ouais, le jour où tu seras plus gras, dis-moi. Oh, ça commence à clasher. J'ai pas besoin d'avoir une barre de plus que toi, t'inquiète. T'as ta charrette qui va plus vite que le véhicule. Oh là. Wow, okay. Non, mais y'a le dépanneur qui arrive. Y'a le dépanneur qui arrive. Oh, je te dis, y'a le dépanneur qui arrive. Je t'ai demandé. La voiture, c'est qui est là? Je t'ai demandé de baliser, je t'ai pas demandé de faire des conneries, gros. Collègue, tu te mets en haut et tu dis au véhicule de ralentir, moi je me mets en bas. Plus, tu tournes le volant? Non, mais j'ai pas envie, moi. J'ai pas envie. T'as pas envie? Je vais rester bloqué là pour que les dépanneurs. Et bah attends, j'ai appelé les dépanneurs. Ouais. Quand même pas. Alors nous, on a pas détruit. On va faire venir en FPS, le ralentissement il marche même pas. Et d'ailleurs, ils sont où vos gilets là, les caporales? Non, mais vas-y, mais les mecs ils sont haut gradés, ça sert à rien faire. Pas de gilet? J'ai un gilet là, hein. C'est juste que tu le vois pas, mais j'ai un gilet. Ah, on a un gilet. Ah, ouais, d'accord. Bah, toi, t'en avais pas. Nanana. Si, j'en avais un. Putain, mais les mecs ils barrent la route quoi, mais y'a pas besoin de barrer la route. Et vas-y, c'est ça, on va barrer la route. Allez, hop, petit inter qui s'en sort en grosse inter, hein, voilà. Tu roules pas toute la route. Comment, je sais pas, réfléchis. Comment s'occupent les pompiers quand il n'y a pas d'intervention? Bah écoute, on trouve de l'imagination un peu partout. Bonne soirée, messieurs. Ouais, merci, bonne soirée. Au revoir. Quand on n'a pas d'inter, on trouve toujours de quoi faire. Hein. Oh, c'est beau ce que je dis. Puis ça rime et tout, tu vois. Je suis fier de moi. Hop. Putain, mais le mec il bloque la route, qui met des phares et tout, mec. Kiro quoi. Oh, parcours du combattant, moi je dis. Oh, c'est beau quand même. Un trou dans le pot d'échappement. Ah ouais? Alors, oui, c'est pour faire le son un peu. Tu vois. les pompiers kékés, mec. Les pompiers du 9-3. Il y a le plancher qui vient avec un visible. Alors, ouais. le plancher invisible, c'est pas fait pour voir en dessous déjà, vous savez, alors vous me saoulez pas. Ah, et y a pas que le plancher, la roue aussi, hein. Mais bon, après, je dis ça, je dis rien. On va tous mourir et écraser sous le SAV. Regardez le bac qui vient de sortir. C'est joli quand même. Homme-femme. Qu'est-ce qu'il y a? Homme-femme. Homme-homme. Ah, regarde le bac qui est sorti. Le ban? Sarah Rostos, Amin Ban, Alex. Perm, femme-homme. Ah bah il était temps. Ah oui. Parce qu'il s'était déguisé en femme alors que c'était un homme. Mais ça faisait longtemps. Hein. Ça faisait longtemps, il était connu, tout le monde disait que c'était un travesti. Ça c'est le serveur qui respecte pas les inégalités. Les différences, pardon. Ouais. Putain, je vais me faire taper dessus. Oh pardon, oh là. Oula, qu'est-ce que j'ai dit? Oula. Je vais me faire censurer par YouTube. Facebook plutôt, parce que YouTube... YouTube. Propose tant de vidéos pour... hein, tu vois. Vas-y, va au fond de tes pensées, Charlie. Bah, je pose deux vidéos. Toi, t'en as beaucoup. Et moi, j'en ai plus. Et voilà, tu vois. Ça triquite. En ratio temps et tout ça, voilà.
Ah bah en même temps, il y en a, il a fait une vidéo sur Mitsen, donc Non, c'est pas vrai. Puis moi je dis, tu t'es fait booster. Booster! Bouh! Non, pistonner bouh, déjà. Alors apprends ton vocabulaire, merci. Tu t'es fait pistonner par Ra Super. Bouh! Mais ferme pas les portes! Et Amitsem! Ferme pas les portes! C'est... Et Amitsem! C'est ça qui est. Amitsem, c'était le but en fait. Over! Bonjour! Clap, bonjour! Bienvenue à cette. Ouais, ils arrivent quand, les dépanneurs? Ça, c'est des poulets, ils avaient dit 5-10 minutes, ça fait une demi-heure quoi. Oh là là! C'est insupportable ça! Hein. On peut même plus faire confiance aux dépanneurs quoi. Ça fort. Hein. Ah, c'est pas eux là-bas? Non, dans la. Dans la vallée? J'ai demandé. Non. Dépanneur de Codis? Transmettez Codis? Ouais, vous en êtes où pour le dépanneur? La dépanneuse est en train. Se dirige vers vous, je crois qu'elle est de mémoire à Saint-Louis. Je demande plus de confirmation. Ok, super. Dépanneur pour sécu. Transmettez sécurité. On a une voiture. C'est l'Orche là-bas. C'est l'Orche? La ville qu'on voit là-bas, là, c'est l'Orche. L'Orche? L'Archer, quoi. L'Orche? Orche. L'Orche! Bon, bah, ils sont à Saint-Louis apparemment, mais bon, moi je vois rien qui arrive à des kilomètres à la ronde. Hein. Oui, c'est pas, quand même pas au bout du monde, quoi, les gars. Ah, c'est quand même pas loin, hein. Le kilomètre. Le kilomètre, c'est ce que je fais à vélo tous les jours. Pas aller, tu vois. Puis du coup, aller-retour plusieurs fois, ça fait 6 km. Ouais, j'ai compté, c'est trop bien. Oh, t'es trop fort, ouais. Non, je sais pas compter en plus, ça fait pas 6 km, ça fait 8. Bon, bah écoute, s'ils viennent pas, ils viennent pas et rip, hein. On va s'en sortir moi, tout seul. J'ai... On va sortir une table et des chaises et on va se faire un camping là. Oh, je suis chaud, ouais. Viens, on éclaire le VSAV. On met des lampes et tout. Alors. Éclairage jaune. Placé. Sorti du VPS en 2 secondes, toi. Ouais, moi je suis un pro. Moi. Ouais. Oh, c'est beau la lune là, comme ça là. Ah, oh, c'est joli ça. Ah, où ça, mes fesses? Ah non, pardon. Tu vois pas là? Les gars, je suis en planque. Ah, je trouve ça joli comme ça. En planque, où est-ce que tu es passé encore? Je vois cache-cache, ouais! Ah, ça, ah, c'est une bonne idée ça. Je le vois, il est là, il est pas beau. Ah ouais. J'ai cru que t'étais. Là, vous avez niqué ma planque. J'ai cru que t'étais mort. Mais cache-toi, cache-toi, cache-toi. Vite. Va taper. Viens ton gilet, viens avec votre cassette. Ah, vite. Gilet. Deux camions. Cascade. Hop. Nous sommes des enfants. Ouais, nous sommes des gamins. Meilleur cachet. Ça nous va. Rip la barrière. Il va faire bruh. Bruh. Il va descendre, il va dire ils sont les pompiers. Un véhicule à moitié retourné. Bruh. Oh, on va faire demi-tour. En train de réfléchir 2 secondes. C'est en train de préparer un plan de secours. C'est en train C'est en train de regarder, d'analyser la situation. C'est une analyse complète. Ils attendent qu'on vienne les voir, je pense. On viendra pas, hein. On est des méchants. Hein. On attend un dépanneur. Les dépanneurs, ils sont pas doués. Ah non, c'est de Saint-Louis, il vient de dire. Pas de doués. Putain, j'ai cru qu'il avait forcé. Ouais, si j'ai cru un instant qu'il avait forcé le passage. J'ai eu peur. Putain, c'est toi qui est malade. Ah. Ah, qui c'est qui est mort? Oula, il est mort là-bas là. Oh. Bon, le dépanneur, Un dépanneur de. Ouais, dépanneur de Codis. Patientez. Patientez. Oh, tu t'es pris un stop. Oh là là, ce vent que je me suis pris. J'y vais pour le dépanneur. Patientez. Hey, patientez, hein. Bon, par contre, c'est pas qu'ils sont pas efficaces ces dépanneurs, mais imagine on était sur intervention. J'ai vu pour dépanneur. Bah, on est sur intervention là, potentiellement. Pas sur là. On c'est y aller, là. Est-ce qu'on pousse avec le VPS là? On y était presque. Non, mais c'est après. Transmettre des civils. J'ai eu un accident entre une préfecture et siège pour l'emploi, ce que serait possible de venir. Vous pouvez mettre un point s'il vous plaît, là, l'unité va se rendre. Rappelle les dépanneurs. Dès que c'est possible. Rappelle, hein.
Il m'a dit patienter. Codis aussi. Ouais, je veux bien que votre unité soit à Saint-Louis, mais entre Saint-Louis et notre position, il n'y a pas 5 minutes de transport. Normalement, elle devrait y être. Elle y est toujours pas. Moi, je vois personne à quelques kilomètres à la ronde. Donc, vous avez envoyé un message à l'autre? Bah, vas-y, fais-le, comme qu'on arrive. Ouais, ok. Je vais mettre entre parenthèses. Beaucoup de temps, mais. Et des bouffons. Je trouve c'est un DP, c'est celui qui voulait me chercher. Ça serait beaucoup trop drôle. Votre il s'appelle pas Briac Valentino? Ah bah, le Vla est derrière. Ah, c'est bon. Par contre, il m'embarque pas mon VSAV, hein, c'est mort. Bah, enfin, il était pas bien. Hey, Théo, tu dors? Bonjour. Bonjour. Enfin. Alors, je vous explique, on va partir sur l'intervention là. Sauf que notre VSAV, il a dérapé dans le virage, il y avait de la terre et ça fait et on s'est encastré sur la rambarde de sécurité là. Est-ce que vous pensez pouvoir le dégager de là? Bah, j'ai regardé ça. Pour qu'on puisse repartir au plus vite. Merci à vous. Les explosions, c'est trop bien pour la vie. Il est mort où l'autre? Ouais, mais là, lui, on peut pas faire grand chose. Ah, si, on peut faire grand chose, mais ça veut dire qu'il y en a un qui va avec. Dans le VPS, avec. Qui rentre dans le VPS avec Kiro, quoi. Non, pas à l'arrière, pas à l'arrière. Nanana. Mais ils ont des formations, les gars. Non, je pense que c'est des amateurs à 100%, mais bon, c'est très grave. C'est pas moi qui paye la réparation, c'est casse mon VSAV. Hein. Oh là là là. Mec, là. Normalement, c'est devant, faut viser. Hein. Faut que je leur fasse une formation. Charlie, tu vas avec Kiro. Faut que je forme les formateurs en fait. Charlie, tu vas avec Kiro dans le VPS et vous prendrez VSAV 2. Allez, VSAV 2, on y va. Les pompiers et tout, tu vas te rappeler. Ah, d'accord, c'est aussi les têtes qui se dirigent. Vous voulez que je donne les clés, monsieur? Bon, information, intervention sur l'aéroport, c'est une personne qui aurait chuté de la tour de contrôle. Les ambulanciers sont déjà sur zone. C'est moi, j'ai peur là. Merci. Il est parti de ses vitesses. Ouais. Putain, 0 à 100, 2 zones. Ah, bon, t'es plus barré maintenant? Non. J'espère que je vais toucher. Vous êtes calme. Ah, un dépanneur professionnel. Pas de problème. Comme ça va faire boum d'un coup. Voilà là là là. Attendez monsieur, je vais essayer hein. Je vais essayer. Ah, je m'embourbe, hein! Hop! Ouais! Merci beaucoup, monsieur! Hein. Bon pas. Vous êtes pas embourbé, vous? Comment? Vous êtes pas embourbé, vous? Ça va? Non, ça va. Bon, bah, merci beaucoup. Au départ, je savais pas comment m'y prendre, mais ça allait. Ça allait? Vous en êtes sorti avec brio? Ouais. C'est bien. C'est quoi votre idée, monsieur? Votre trip. Voilà. Alors, 65, ok. Votre trip. N'importe quoi, votre trip. Hop. Si c'est trip. Ah, mais j'ai pas autant sur moi. T'as 1500 sur toi, Gugus? Je vais m'équiper alors que je suis pas éclairé. Mais j'ai 515. Voilà, monsieur. Merci, monsieur. Merci à vous, bonne journée. Si. Bon, nous on repart du coup. On repart sur la. C'est ouais, sur la route derrière nous, hein. Je te laisse sur le message. Allez, go. Mais votre idée, c'est pas RP, il faut dire votre rib. Votre rib, c'est vrai que c'est votre rib. Ouais, mais votre idée de rib.
Comment s'appelle le monsieur? Je crois qu'il s'appelle Briac, Brian, non Brian, Briac, je sais pas quoi. Valentino. Ah, Briac, Briac. Briac, je sais Briac, pas. Briac, Valentino. Ok. T'as le shift tab qui marche pas. Et on avait. Et on avait quel. Plus de trash. Comment? Non, celui, toi, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi il est mort? On a des infos sur lui? Non, on n'a pas d'infos sur lui, on a juste des infos sur l'aéroport. Apparemment, ça serait une chute de contrôle. Ok. Les ambulanciers sont juste sur eux. Briac, Valentino. Bon, on va bien voir. Hein. Il est mort dans un virage, donc je suppose un AVP, mais. Par contre, il avait quel âge le dépanneur selon toi? 12 ans. Ouais, 12 ans. C'est bien 12 ans. Ah, tu. Le mec, je t'avais dit, on n'inclut pas les enfants de 12 ans. Attends, qu'il est en 16 ans. 15 ans et demi. 15 ans et demi? Ouais, c'est vrai. Mais c'est un peu vieux, 15 ans et demi, je trouve. Oui, bah aux yeux de la loi, c'est la majorité sexuelle. 15 ans et demi, c'est pas 15 ans tout court. 15 ans et demi. 15 ans et 6 mois. Oh, on peut s'arranger. Faut pas être fermé d'esprit. Alors, hop. T'es toujours en règle? Ouais, ouais. Oh merde, je parle de ça comme ça, moi. Ouais, c'est pas grave. D'accord, donc ça c'est vraiment à boulet de première. Ok. Allez, on est parti. Je me souviens plus de ton nom. De mon nom à moi? Non, ton prénom. Nicolas Baron. Ouais, merci. Tu vas y arriver, hein. Non, tu sais, c'est dépanneur. Alors, hop, on balise. Toutes les unités VSAV 02 prendre départ sur intervention. À toutes les unités VSAV 01 se présentent sur les lieux d'intervention. Présence d'une VSM au sol, prodiguons les gestes de premier secours. Alors, objet médic, cône lumineux. Hop. Ah oui, en effet, ouais, non mais lui il est pas mal lui. Ah, il est pas mal, ouais. Lui il est bon. Il a battu le record. Ouais, il est pas mauvais. Écoute là, tu fais mieux quoi. Il est fatigué le patou là-dessus. Hein. Bah j'ai pas dormi de nuit, on va se calmer. Ah t'as pas du tout dormi du coup? Ah, c'est chaud. Non. C'est chaud, hein. Parce que pour ceux qui savent pas, en fait, Patouletchi est pompier dans la vraie vie. Et là, cette nuit, en fait, il est parti. Je suis malade, d'accord. Il est alors qu'il est malade, du coup, il est parti en intervention sur un incendie de domestique. C'est passé quoi, monsieur? C'est une maison qui avait pris feu, en fait. Et très clairement, très clairement, du coup, il a pas dormi de la nuit. Vous imaginez bien que c'est, ça fait partie de ces gens qui sont des héros du quotidien et qui, en plus, le jour, veillent à la à la vie des citoyens sur Arma for Life. Vous avez vu, c'est tellement des héros. Non, c'est vrai. Beaucoup de respect. Beaucoup de respect pour ce genre. Alors ça, clac. Bon, on a à peu près balisé bien la zone. On va sortir le brancard. Parce que je pense que la personne, on va quand même devoir la transporter. Hop, ça, on gère ça comme ça. Et puis du coup, on enlève le tout. C'est supportable, c'est insupportable. Je vais laisser mon collègue s'occuper des matières. Et Claude, il s'est pris un coup de portière. Bah, ça arrive à tout le monde, ça, des coups de portière. Ça m'est arrivé plusieurs fois dans la vie, hein. Bah, si t'es pas doué, t'as des malouches. Non, ça m'est jamais arrivé. Mais faut pas s'en vouloir, monsieur. C'est monsieur, fréquent. Vous avez quel âge? Oula, mon brancard. Oh. Monsieur, vous avez quel âge? Monsieur. On l'a perdu? Vous avez quel âge, monsieur? Tu l'entends? Bah, j'entends un écho, mais j'entends pas de réponse de sa voix là. Monsieur? Monsieur? Il arrive! Vous ouais, avez j'ai 22 ans, monsieur. Vous faites quel poids? 90. Quelle taille? 4 ans. Vous avez des antécédents médicaux? Non. Quel traitement en cours? Non. Ailleurs, j'ai des médicaments. Non. Ah, un diabète. Non. Vous avez consommé de l'alcool récemment? Attendez, je suis pas bien, attendez.
Vous avez consommé d'alcool récemment? Ah non. Hein? Dépanneur de Vous colis. fumez? Quand vous avez consommé des stupéfiants? Dépanneurs, ils sont quand même pas très doués, hein. Vous avez des maladies contagieuses ou pas? Boire de l'eau, utiliser bacon tactique, utiliser. Signe d'atteint. Vous avez des maladies contagieuses? Hein? Dépanneur de Vous colis. savez où on est? Transmettez. On aurait besoin d'une de vos unités pour un véhicule accidenté au niveau de du champ de pommes entre La Pessagne et la route principale quoi. Donc sur l'ouest de La Pessagne, sur l'est de La Pessagne pardon, on aurait une auto-école accidentée. C'est bien reçu. Est-ce que son propriétaire est là ou pas? Affirmatif. Monsieur. Est-ce que vous pouvez me dire si le moteur est aussi touché? Dépanneur de Si, police. dépanneur de Négatif, le moteur santé. n'est pas touché. C'est bien reçu. Patientez, policier. Monsieur? Oui, je sens. Non. Et si je vous touche les pieds? Je sens aussi. D'accord. Vous pouvez bouger vos membres? Non. Vous voulez pas faire prévenir, monsieur? Non. Et non. D'accord. Ah, du coup, monsieur, vous transportez sur l'hôpital de la Pesagne. Ok. Et go, Coralie. Allez, hop, c'est parti. Allez, hop, je prends la tête et le haut du corps. Alors, pour faire dans le cartel. Ouais, si t'y arrives. Ouais! Ok, quand tu veux. À la une, Ah, maudit. à la deux. À 3, hop! Super. Allez hop, monsieur. Bon, quelqu'un va s'occuper de votre voiture, hein, vous inquiétez pas. Il m'a volé le banquin. Ouais, c'est toi qui me l'as pris. Allez, go! Allez, avance. Je sais pas qu'on avait 6 plots dans le VSAV. Ah, si, on en a 6 maintenant. C'est la Et nouvelle je sais pas norme. qu'on avait que des lumineux. Ouais, non, mais c'est à la mode maintenant. Bon, par contre, tu peux éviter de faire tourner le patient parce qu'à mon avis, il va pas être bien à la fin. Qu'est-ce que tu fais là? C'est toi qui as le brancard. Mais non. Mais si! T'es Ah sûr? oui. C'est toi qui as le brancard. Chez moi, c'est toi qui l'avais. Mais lol! Tu regarderas ma vidéo, c'est toi qui as le brancard. Je me disais, mais qu'est-ce que tu fous à Bah. bouger comme ça le brancard? Mais qu'est-ce Non mais j'y arrive. On n'avait pas même pas vu. Voilà, Bah, go. oui, Monsieur. je dépêche. Voilà, on y va à Mais nouveau. oui, mais je finis, c'est bientôt fini. Ouais, Je j'ai me pas fait parce que t'as dépêche, un pardon, le monsieur là, je pressé. me dépêche. Ouais, vraiment, le monsieur. Allez, go. Oui, je me dépêche. C'est des crises Mais de oui, mais folie. j'arrête. Non, mais j'arrête. Je pas. Je vais pas le faire deux fois, une fois ça me suffit. Eh ben dis-moi, ça enchaîne. Unité de SAV 02 sur accident sur notre position en effectif suffisant sur place. C'est bien reçu pour information VSAV01, transfert de sa victime au CH de La Pessagne, comme on reçu parler. Voilà, vous êtes arrivé. Ça, paf, je regarde, ok. Bon bah écoutez, pour nous ce sera une fin de vidéo, fin de d'intervention et des multiples péripéties que nous avons vécues durant cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit pouce bleu. C'était Prodéode, j'étais très content de vous avoir fait cette vidéo, et puis sans doute à une prochaine fois pour de nouvelles interventions sur l'île de Malden sur Arma for Life, le serveur de Mr. Hat. Super! Sur ce, gros bisous, et puis à la prochaine, tout chou, c'était Prodéode.